Et bonjour à tous amis, chapitre 20 de Let's Play sur Uncharted 4. Voilà, on venait de se manger environ 7000 C4 dans la face. Et on s'en est tiré. Voilà. Donc finalement, là, je vais vous faire une promesse que je fais à chaque début de vidéo. On ne va pas mourir dans ce chapitre. Voilà, là, on y croit, dur comme fer. C'est juste une question de mental. Il va falloir tenir le coup. Bon, après, s'il y a des momies armées de Kalachnikov et de C4, je vous garantis pas la réussite de notre mission. Mais bon. On va essayer de faire en sorte que... Ouh, ça c'est stylé! Oh putain, ça c'est screenshot direct ça. Beaucoup trop stylé. Voilà, donc là je casse l'ambiance de la vidéo au bout de une minute. Très bien. Ok, on a la capture. Est-ce que le voile bleu pourrait s'enlever? Ça c'est intéressant. Ah voilà, merci. Parce que c'est clairement, ça aurait été un petit peu chiant de trimballer ça toute la vidéo. C'est où le passage? Ah, c'est par là. Ok. Là, on va repartir sur une petite phase d'exploration un peu plus tranquille, j'ai l'impression, sur ce chapitre. À base d'escalade. Ok, à grappin. Ouais, grappin. Ok, on tend le bras. Ouais, c'était un peu ambigu comme ça. Hein. Là, on remarque bien la pierre blanche, qui signifie la pierre grimpante, n'est-ce pas? Un peu là. Donc voilà, on saute là. Paroi Bob l'éponge. On peut monter. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il n'y a rien du tout, très très bien, c'est un super. Oh là là, c'est pas en steak là. Ok, on chope ça. Voilà, là on est bien. Ok. Oh les méchants! Putain, c'est Sam ça? C'est carrément Sam. Ah, bah, effectivement, il est plutôt dans la merde. Attendez, attendez. Moi Sam, je te laisse pas dans la merde, je te déteste, mais quand même. On va tenter la folie, les gars. C'est parti. Ils sont derrière moi de quoi? Ils sont tous devant moi, regarde ça. Regarde cette grenade. Ah d'accord, c'est la pire grenade du monde. What? Ah oui d'accord, ils sont vraiment derrière moi en fait. Je voudrais que c'est une blague, je suis désolé. Merde, 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 les gars, il y a un sniper. Merde. Je suis désolé. Merde, merde, merde. Bon, je m'excuserai plus tard. Je suis désolé d'avoir encore failli à ma mission de qui n'était de ne pas mourir. Putain, mais on est coincé, bouge-toi, Elena. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ça? Qu'est-ce que sommes-nous en train de réaliser? Ah bah voilà, on préfère tout de suite être directement derrière un poteau. Ah mais on n'est pas du tout au même endroit qu'à l'heure. Bon, je comprends rien du tout. Bon déjà, il y a un sniper. Le sniper, vous savez très bien ce qui va se passer. On va le tuer, on va aller chercher son snipe. Voilà, on l'a tué. Donc ça, c'est la première étape. Une seule balle avec ce truc de merde. Bon voilà, on l'a passé, c'est de la merde. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit move stylé à faire là? Putain, il y a une musique épique. Il faut qu'on tente un truc stylé. Il faut qu'on tente un move stylé. J'ai repéré un truc de grappin. J'ai repéré un truc de grappin. On a que 21 balles. Ça va partir en mode game. Bon, contre-attaque. C'est parti. Hop là, on saute. On chope le grappin, les gars. On se met là. Tranquillement. On se cache là. Oh putain, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Juste, il y a un petit détail, c'est qu'on va sûrement y rester. Et ça, c'est vraiment un détail. On reprend sa vie là. On reprend sa vie. C'était pas mal le coup du grappin, mais c'était pas. Ok, là, il y a un baril. Là, il y a un baril. Voilà, ça, c'est bon. Gros grappin. Et bim, on va se recacher. Lui, on va lui... Ah d'accord, d'accord. C'est vraiment la cible qui se balançait comme ça au calme. On se cache, on se cache, on se cache, on meurt pas, on meurt pas, on meurt pas, on meurt pas. Putain, on n'est pas mort. Pas encore. Je ne crois pas. Oh putain. What? On fait n'importe quoi. Oh mais t'as quoi toi? Moi je suis dans la merde, moi je suis dans la merde. C'est quoi ça, bim? Éclatage de crâne contre les rochers. Voilà, ça calme, effectivement, j'aurais pas dit Moonite. Ok, on chope la petite arme, on recharge ça. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage, monsieur l'arbitre, merci. Ça, ça va dégager dans pas très longtemps. Voilà, ça c'est dégagé. Ok, là on est bien, là on est serein, là on est très bien. Ok, ça, ça dégage, merci bien, merci d'être venu. Ça, ça dégage, ça, ça dégage. Ça, ça va dégager, on est bien. Putain, mais qui me tire dessus derrière là, ça j'aime pas trop ça. Attends, regarde juste la grenade si elle a fait son petit effet ou pas. Elle a eu l'effet escompté. Oui, très très bien. Toi, tu touches même pas à ma copine, merci. Wow, wow. C'est quoi ton putain de problème, toi? C'était plutôt pas mal comme fixe, on se retourne et boum, c'est terminé. Putain, là on est bon, là on est. Oh putain, c'est quoi ce mec? Il faut qu'on aille chercher le sniper, c'est notre. Ok, c'était pas mal se lancer de grappin. Putain, exceptionnel! C'est un move de folie! Le sniper il est là! Ok, le sniper il est là! On prend le snipe, on y est, on est très bien, on est très bien, on est serein. Ok, là maintenant concentration absolue. Ok, on a raté la première mine. Headshot. La mort. Le sniper, il dégage. Putain, merde, c'est quoi ce mec? C'est quoi ce. Putain. On vise la tête, on vise cette tête, voilà merci. On vise le mec là-bas, là on est bon, là on est bon, ok. Toi t'es pas mort. On vise la tête, et on revise la tête, c'est bon ça, le headshot. Il est bien placé celui-là, 3 balles de sniper. 1, 2, il en reste un.
Il en reste un pour la dernière, non? Pour le terminer. Même pas. Ok, mais putain, c'était un beau move, ça, non? Bien sûr que c'était un beau move. Vous êtes pas là pour me le dire, alors je vous le dis. Lance-grenade, non, non, non. On prend pas, on prend rien du tout comme munition, on a un sniper. Oh putain, des munitions de sniper, ça c'est bon. Ah oui, c'est vrai qu'il y en avait un là-bas. Ok, ok, on coupe par la cale. Pourquoi la minute n'est pas terminée? Ça veut dire qu'il y a forcément encore des petits pélos. Ok. J'allais dire moins un, mais le mec n'est pas mort. D'où il réussit à mon sniper. Et toi, par contre, c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Ah oui. Arrête ça, tu me fais peur. Non, on s'en était bien sorti jusque-là, mais non, qu'est-ce qu'on a fait? Qui nous a tué finalement? Oh, j'avoue, on l'a pas géré là. Ok, ok. Reconcentration. What? Non, bah attends, je viens d'apparaître, c'est carrément. Ah, mais c'est ce bâtard là où avec son lance-grenade là. Meurs, meurs, meurs. On est bien, on est bien. En fait, c'est un petit peu bizarre ce chapitre. Hein. On arrive, on fait des moves stylés et une seconde après, on meurt 5 fois d'affilée. Attends, attends, attends. Toi, je te calme direct, mon zozo là. Putain, je vois rien. Voilà, toi t'es calmé. Putain, mais mourez les gars, c'est chiant. Hein. Toi t'es calmé. Toi tu m'as saoulé là. Ok, alors attendez, attendez. Celle-là, elle va être bien passée. Putain, les gars, vous faites... Décidez-vous, merde. On a plus de balles de snipe. Putain, on a gâché tout notre snipe. Ok, c'est à partir de SMG géré avec un pistolet. Ok, Elena, je te couvre. T'inquiète pas, Elena. Bim. Oh, c'est là que tu attendais pas. Petite esquive. Bah, pas de problème. Oh là, ça c'est beau ça. Faites une belle combinaison. Regarde, on recharge. Pour l'instant, on se tire dessus. Belle combinaison, on est bon là. Là, on est. C'est quoi ton putain de problème, toi? Putain, Elena, fais gaffe, y'a un mec là. Casse-toi, mon gars! Il est pas mort, il est pas mort. Il est pas mort! Là, il est mort. Tout va bien. Fin de la musique. Voilà. Je suis un petit peu le maestro de Uncharted 4. Ok, par contre, on a perdu notre sniper, on est un petit peu déçu là. On a plus de balles. Où est-ce qu'il faut passer? Ah, par là. Ok. On passe par là. Vas-y, on défonce tout. Et on boit un triangle. Voilà, là, c'est bien. Alors, est-ce que ça m'a bien vu? Oh merde, que se passe-t-il? Ah oui, là c'est chaud. Ok, la grenade, la grenade, la grenade, elle va nous sauver. Bim! Ça c'est bon! C'est bien placé ça. Oh putain, merde, 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 là il est du mec vénère. La grenade, la grenade, la grenade. Meurs, 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 meurs. Putain, on s'en est bien sorti là. On a tué tout le monde? On est archi chaud! Attends, la grenade, on a tué carrément 14 000. Environ, hein, ouais, une petite estimation à la louche. Putain, il y a encore la musique, ça veut dire que c'est pas fini. Putain, la musique est beaucoup trop stylée là, ça nous met carrément dans l'ambiance, on est inarrêtable, voilà. Du coup, est-ce qu'on doit passer? Parce que là, je suis en train de tout péter, parce que je suis perdu. Ah, attends, voilà, c'est par là. Ok, ok, on continue. On continue, on pète pas l'ambiance. Là, on est bien, que se passe-t-il? Oh merde, 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 merde. Sur le bateau, c'est Sam. Sam, je veux venir t'aider. Même si t'es un putain d'enfoiré, il n'y a pas de problème. Ah oui, donc le mec est pas trop la merde, il a un pistolet contre 1 milliard de gars. Bon, c'est de quoi? Sam, j'ai fait une version. Ok Sam, protège-toi. On a encore une grenade, juste pour ce petit pélo. Cadeau. Oh putain, on lui a carrément fait une passe. On lui a fait une passe. C'était magnifique. On lui a passé la grenade, comme ça. Là ça dégage, merci bien. Hop là, on ramasse une nouvelle arme. Ça, là on est pas mal, on fait vraiment des petits moves intéressants. Voilà, ça c'est à proposer à Hervé Matou pour son prochain commentaire. Ok. Ça n'avait pas de sens, hein, ce que je dis, ne cherchez pas de... Enfin, ça c'est légal. C'est pas parce que t'as une armure de 500 tonnes que tu vas me faire quelque chose. Hein. Ok. Fin de la musique. Bon, y'a quoi là? Là c'était un bel assaut, on est chaud là. Je comprends même pas comment on a déjà pu mourir au moins 10 fois dans cette pièce. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Ouais, toi tu fermes ta gueule par contre. Ouais. Hein. Sam, tu mérites bien une petite balle dans la tête. Sur cette plage, une minute de plus. Fais gaffe, Sam. Ouais, t'as raison. Fais gaffe, Sam. Ouais, voilà. Donc, tu t'es pris une petite balle dans la tête et dans le torse, mais c'était quand même bien mérité. Hein, voilà. Maintenant on est quitte. Vous avez mon ok. Truc. Non mais ferme ta gueule. Putain, c'est quoi cette musique? Pourquoi j'aime pas cette musique? Oh shit! Qu'est-ce qui se passe-t-il? What? Ah oui, effectivement, faut qu'on s'en débarrasse. Ok, 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 ok. On a plus de vie. Ok. Ah merde, j'ai même pas eu le temps de faire ma phrase. J'allais dire, on n'aura pas d'une chance. Bon, voilà, je vais fermer ma gueule, ce sera tout. On va arrêter de bégayer. J'allais dire, on n'aura pas deux chances. Voilà, putain, merde. Dans son caisse, il va fermer sa gueule. Hein.
Ok, le headshot, ça c'est bon. Le type lance-roquette, effectivement. Bon, c'est bon. Tiens ta gueule. Tiens ta gueule, je crois que t'es caché, mais t'es pas caché. Bon, ok. On était bien, mine là. Hop là, petite balle dans le derche. Toi, petite balle dans le corps. On est bien. Petit pistolet, ça suffit. Tu fais quoi, toi? Hey, tu vas où? Reste là. Voilà, on l'a camé direct. Petite balle dans le pied, il a kiffé. Il a bien aimé. Hein. Bon, on est bien finalement derrière, monsieur, notre petit rocher là. Ah oui, d'accord. Bon, on est peut-être pas si bien que ça. Ok, là on va aller se cacher, sinon c'est la mort assurée là. Bien sûr que si, je vais m'en sortir, je crois quoi. Putain, Elena, elle en a carrément tué là. Elle est géniale. Et bim, voilà, on t'a délogé. Et maintenant, on t'achève. Il est où le suivant? Il est là. Il est là. Putain, on va le chercher. On va le chercher, on va lui mettre une patate dans sa face à lui. T'as un problème toi? Hé, petit con là. On l'a calmé. Voilà, on avait 9 balles, on lui a balancé 9 balles. Ok les gars. Putain, ça c'est bon, on est inarrêtable. On est inarrêtable, on meurt toutes les 30 secondes, mais bon, c'est ma décision. Ah non, là c'est mort. Casse-toi avec l'ancien cap là. C'est toi là qui m'a suivi. Voilà. Là on est bon. Ok, que va-t-il se passer? C'est quoi la suite? Ah d'accord. Ok, ça part à l'abordage. Oh l'abordage, faire des carrés, les gars, bip. Ah merde, c'était pas la bonne idée. Il y a un milliard de gars. Oh là là, ah oui d'accord. Hop là. Là c'était un léger massacre, on peut le dire. Change d'arme. Ah on a plus de munitions du tout. Ok, pas de problème. Oh, il y a mis un vrai kick. Voilà, ça va calmer. Ok, ramasse ça. Oh putain, lance-roquette. Oh bah là on va se faire un malin plaisir. On a un petit lance-roquette. Oh putain, un baroque 44. Passe quoi là? Déjà tu laisses ramasser mon baroque 44. Je prends... Ah d'accord, c'est carrément un duel de lance-roquette. Ouais, c'est moi d'ailleurs. Allez, ferme ta gueule. Voilà, attends, c'est quoi ça, revoilà nos amis? Oh merde. Ok, on va utiliser notre baroque. Non. Moi aussi, j'ai vu. J'ai dit, on gâche pas de munitions. Bon, c'est une petite merde. Mais voilà, on n'a pas gâché, on l'a tué. On l'a tué. Merde, lui il est chaud. Lui c'est un chaud. Ah merde, les deux c'est chaud. Ok, il est bon ce baroque. Ah oui, d'accord. Si on vise la tête. Non, d'accord, ok, là il faut se cacher. Là c'était. On meurt pas. Il y a forcément une munition de lance-roquette là. Ça ne peut être que la solution. Putain, qu'est-ce qu'il fait? Elle est où la munition? Il y a une munition, je suis sûr qu'il y a une munition. Ok, en attendant, on prend le fusil à pompe. Je savais qu'on n'aurait pas dû utiliser cette munition de lance-roquette sur les trois pecnos là. On n'a pas été bon là. Ok. Ah bah là, on a des. Revoilà nos amis. Moi, je calme direct, les gars. Ils sont les autres. Ah ouais, alors lui, on va le pré-shot comme ça. Voilà, ça se calme. Voilà, est-ce que quelqu'un a envie de descendre encore par cette falaise? Très bien. Voilà, ça s'est réglé aussi, c'est bon, terminé. Putain, l'enfoiré. Il a survécu. Oh, bon, on l'a eu. Je crois que je lui ai mis un choc et le. Alors, c'est quoi cette merde? 3 munitions de baroque, bon, on est sur un. Putain, les gars, faites-moi monter. On va mourir. Ok, merci. Ok. Et on... Oh, c'est chaud, les gars, là, c'est chaud. Ok. On rush, on n'a pas le temps, on n'a pas le time. Ok, on est... Oh putain de merde, qu'est-ce qu'il fout là ce canon? Tout va bien. Forcément c'est sur nous que garde la merde. Non les gars, non. Oh putain de... Oh merde. Ah là c'est chaud. Il va falloir nager. Merde, on peut pas sortir. Ok. On est bien. Là on se rappelle que on a de l'oxygène limité. Voilà, on va faire de la merde. Ok. Ah merde, le niveau 2 monte. Oh là ça craint. Ok, il faut aller où? Ok, on passe par là. Vite, faut se dépêcher. On reste en vie. Sinon, Elena, elle va nous frapper. Oh merde. Putain, ça, c'est la hantise de tout homme, de mourir comme ça, comme un clochard noyé. Là, il faut se dépêcher. Je ne veux pas mourir noyé. Pas après tout ça. Putain, il y a carrément une grotte en dessous de ma gueule, là, ou quoi? Vite, de l'air. Oh là, on est bon. Oh merde. Ah d'accord. Donc là, c'est vraiment... Le pire débarquement. Ridicule. Ok les gars, on a plus de munitions. Ça c'est une belle passe. On va aller récupérer les armes. Voilà, ça se passe comme ça ici. On prend ça. Toi tu dégages. Non, quand je dis tu dégages, vous savez les gars, quand je dis vous dégagez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dégager. Oh les gars, mais il sort d'où ce bâtard là? C'est chaud là, putain! Bon, vas-y. Tu sais quoi, attrape ça, mon gars. Attends, on va voir, tu me dis si tu l'as bien eu. Oh merde! Oh putain!
Ah, il m'a carrément fait une passe. Il m'a carrément déposé devant moi. C'est sympa. Donc toi, casse-toi. Et lui, par contre, il commence vraiment à me saouler là. J'arrive pas à le tuer. Oh merde, c'est quoi cette merde? Ah, il y a un milliard de mecs. Cache-toi, cache-toi. Il y a des caisses en bois. C'est la seule solution. Creuser l'espoir de survie. Ah ouais, non mais là les gars, non mais là les gars, soyez sérieux une seconde quoi. Ah oui, on va faire une petite passe aussi, hein. Tu réceptionnes ça? On est bien, on est bien, on est bien. Belle passe ça mon gars, on va chercher ton lance-grenade après, on va passer tranquillement. On s'occupe juste de ces trois petits pélos là. Non non non, pas la grenade les gars, c'est le petit peu. On voit la jamais dit que c'était mal payé, non c'est les grenades sur les gens. Ok, non mais bon, là ça suffit. Ok, on a des petits grenades, lance-roquette. Putain, putain, on résiste, on résiste. On résiste les gars, on résiste. Jusqu'au bout les gars. Ok, la petite caisse en bois. Oh putain, celle-là était dingue. Toi, tu fermes ta gueule. Voilà, je suis désolé d'avoir... Putain, mais alors toi mon gars... Mais merde, putain, mais genre ça va pas exploser là. Je meurs. C'est bon là? Oh oui. Putain, mais c'est... On est pas mort, t'es sérieux? Ah oui d'accord, c'était carrément du 1v50 avec une balle quoi, c'était la mission impossible totale. Ok. Pff, la pression redescend, la musique revient, voilà on va pouvoir se calmer. Oh non mais... Putain mais merde. Il faut que je passe par là. Non bah je peux pas passer par là. Merde. Attends mais ce serait pas le camion psychopathe qui nous poursuit dans la ville? Mais si putain mais c'est foireux. Non, pas encore. Pas la course pour sauter avec ce gros taré. Et merde. Ok, je fais chier. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois le brain, je dois faire un truc là. Pourquoi je fais chier? Ok, il y a un escalier, on le sent bien. Putain, c'est la bonne solution. On est chaud. Ok, là il y a un passage. On a un passage. Ok, cache-toi là-haut. Ouais. Ok, là on est bien caché. Oh oui, on n'était pas si bien caché que ça. Ok, ça glisse sur le toit. Oh putain, au calme. On descend. Oh merde, mais c'est pas possible! Non mais ce mec. Rasse, on saute là, putain, on est chaud. Avec tous les commandes, moi je trouve plutôt qu'il se démerde pas mal, étant donné que le mec arrive à nous suivre partout, à tout moment. Oh putain, saute ça, merde. Chope la barre, une petite balance, vite on va crever là, oh, là on va crever. Oh, il s'est mangé le mur, il est mort? Est-ce qu'il serait pas tué tout seul? Mais non, il s'est absolument pas tué tout seul, merde, putain, mais jamais il crève ce con, hein. Ok, c'est un peu skill. Ok. Oh mais merde, le mur. Non mais casse-toi. What? Mon dieu. On s'est fait rouler dessus. Oh putain, mais ça reprend direct. On est même pas en temps de pleurer. Il nous a pas injecté. On s'est fait rouler dessus comme une grosse merde. Ok, voilà, bon, c'est quoi, on a encore dit. En même temps, vu. Oui, voilà, la vitesse là qu'il arrive. Ok, là on est bien. C'est quoi? Où est-ce qu'il faut aller? Oh putain, mais merde. Ouais, il est mort là, c'est bon. Ah yes, t'es un bon gars mon gars. Quoi? Mais toujours pas mort, mais c'est pas possible. Oui vas-y on va voir. Oh putain, on se regarde, parfait, merci pro. Putain joli. Bon là on va se faire plaisir. Voilà. Et le prochain. Ah là ça fait plaisir. Bien dit ça, ça c'est bon, on est le président. Non je te jure que c'était plutôt stylé. Merci pour le coup de main. Maintenant tu veux pas me remonter gros? Viens par ici. J'aimerais bien remonter et arrêter ce cauchemar, merci. Vas-y, gros, attrape ma main. Plus vite! Merci bien. Oh putain, c'était chaud. Je suis content de te voir. T'arrives pile poil au bon moment. Ah, tu sais, pour rôder dans le coin, c'est pas très bon pour les nerfs. Ouais, mais faut d'abord qu'on retrouve Sam et Elena. Oh. Hey. Oh. Est-ce que tout va bien? Ouais. Avec toutes ces explosions, on a cru que... Il sait pas être discret. Tu lui as encore sauvé la peau? Comme d'habitude. Et toi, ça va? Ça va. On l'a échappé belle à plusieurs reprises, mais... Il a pris soin de moi. Hé. Hey. Ça va? C'est quoi, ça? Ça? Une balle qui m'a effleuré. Ah. Et toi? Une falaise. Qui m'a effleuré. Ouais. Comment t'as semé Raif? Oh. Il a fait tomber son équipe droit dans l'un des pièges d'Avril. Malin. Tu sais... À propos de cette histoire avec Alcazar, là... Qu'on parle de tout ça plus tard. Où on va? Sur la plage, de l'autre côté de la ville. Ok. Avec tout ce remue-ménage, j'espère qu'on n'a pas attiré l'attention. J'espère. Attendez.
Vous faites quoi? Mais qu'est-ce que tu crois? On dégage de ce putain de caillou. Ok, ça c'est la première option. La deuxième serait d'aller dans cette direction. Pour arriver plus vite. Mais arriver où ça? Bah, au trésor d'Avril. Écoutez, Raif va devoir faire tout le tour. Alors qu'on s'en fout de Raif. Hé, Victor, avec tout le respect que je te dois, tu sais vraiment pas quand t'as arrêté, c'est dingue ça. On est tous venus dans le même but, non? Non, nous, on n'a pas fait tout ce chemin pour le trésor, on l'a fait pour toi. Et je vous en suis reconnaissant, très sincèrement. Mais on assure. En plus, on a une longueur d'avance. Enfin, pour l'instant. On peut y arriver. Nathan, allez. Hein? C'est évident. En fait, Avril a réussi à saborder tous les bateaux présents sur cette île. Et pourquoi? Parce que ce qu'il voulait par-dessus tout, c'était garder son trésor. Exactement. Quel qu'en soit le prix à payer pour son entourage. Parce qu'il voulait surtout éviter d'être suivi. Parce qu'il voulait s'en aller. Regardez ça. Bon. J'ai découvert sa propre carte de l'île. Ok? Là, c'est son navire. Juste ici, sous cette montagne. C'est là que se trouve le trésor. Et c'est vers cet endroit qu'est en train de se diriger Raif, pendant que nous, on perd du temps à se disputer bêtement. Ouais, et si il avait déjà quitté l'île? Et que son bateau est coulé quelque part au milieu de l'océan? Eh ben, dans ce cas, on trouvera où il a coulé. Oh, de Dieu. Ça fait combien de temps qu'on est après ce truc? Toi et moi. Sans vouloir vexer nos amis. Ils comprennent pas. En fait, si, ils comprennent. Ils savent ce que c'est. Ok. C'est pas la première fois qu'ils voient ce genre d'obsession chez quelqu'un. Tu sais, on n'est plus des gosses maintenant. C'est fini. Et on n'a plus rien à prouver à personne. Où est l'avion, Victor? Il est par là. Ok, bon, là, c'est déception. Si on s'est tapé 20 chapitres pour juste rentrer à l'avion et rentrer chez nous, c'est clairement de la merde. Alors, j'espère qu'il y a forcément y avoir un empêchement et qu'on va quand même devoir aller chercher ce putain de trésor parce qu'on a pas fait tout ça pour rien. On me l'a fait pas à moi. Clairement, on va pas rentrer à cet avion et rentrer chez nous. Je ne le crois pas. Du coup, ça va être le moment chiant où on va retourner à l'avion. Putain. Pour le trésor. Par là. Quoi par là? Oui, là-bas l'avion. On peut pas descendre directement par là, là? On rappelle? Oh putain. Oui, forcément. On va devoir escalader un milliard de trucs, putain, juste pour rejoindre un avion dans lequel j'ai absolument pas envie de monter. On peut grimper par là? Il y a une échelle, c'est forcément là. Vous êtes tous les gars. C'est ça ou pas là? Mais c'est trop haut pour remonter. Ah bah oui, légèrement. Hein. On pourrait peut-être mettre quelque chose dessous. Ah, allez, putain, je suis une caisse. C'est où la caisse? Ah, c'est ce truc en fait qu'il faut prendre. Oh, ok. Putain. Allez, c'est parti. Oh oui, donc là, c'est la lenteur extrême. Putain, encore Sam qui va en marchant là. Mais qu'est-ce qui m'énerve, ce gros con. Mais regarde ça, il nous regarde, ce guignol. Il me dit... Non mais attends, il se fout de ma gueule ou pas là? Non mais dégage Sam, je t'aime plus. Déjà, t'es un putain de traître, de deux, tu mets Binon à venir. Ok, reste parce que ça va plus vite quand même. Ah non, c'est bon, t'inquiète. T'inquiète, poulette. Ok. On monte là-dessus. Voilà, une petite échelle, parfait. Une échelle, mais nous on la prend pas, on est vraiment des rebelles de la société. Ok. C'est par là. Bon, c'est le moment chiant hein, du chapitre. Hein. Voilà, jusque-là c'était stylé, et d'un coup on se fait carrément chier. Et là on peut monter. Bien sûr, je suis en sortie, regarde. Oh putain, deux secondes, regarde ça, c'est exceptionnel. Eh, hey, regardez par ici. Ok, où sommes-nous? D'accord. C'est bon là, on va pouvoir descendre direct ou quoi là? Ouais. Là, il faut vraiment faire ce saut là? Ça se fait ou pas?
Bien, on y est presque. J'ai vraiment oui, il faut le faire. Bon, bah, faut le tenter, on va pas nous le dire deux fois. Regarde ça, il y a même une poutre pour sauter, quoi. Ok, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Bleh. Voilà, donc là, on se met à la place de Sam, de Elena et de Sully. J'ai juste de voir sauter comme un gros gold dans le vide, hein, mais t'es allé comme une merde en bas. Voilà, c'était bien ridicule. Du coup, j'imagine que c'était pas la bonne solution. C'est quoi, là? Oh, attends, ça. Grappin, bim. Bien joué. Est-ce qu'on pourrait pas, du coup, rejoindre cette plateforme? Ah oui, d'accord. Petit rocher. Eh ben, allons-y. On tire... Non, on tire pas en se balançant, ça m'étonnerait. Je comprends pas trop le stratagème. Bah, attends. Sous ma gueule, bah je fais ce que je peux. Ouais, moi non plus, je suis pas trop gros. Ok, vas-y, balade-toi. Ok, ok. Ah bah je me disais bien qu'il fallait y aller, oui, bah voilà, forcément. On est pas cons non plus. Attends, Sam qui a une idée, moi je le crois pas là. Sam, c'est quoi ton idée de merde? Dis-moi tout. Sam, je te hais. C'est quoi ton idée? Ah, il faut pousser ça, mais ça c'est pas con. Vas-y, on pousse son bruit de triangle, c'est ça? Bon, c'est encore moi qui vais tout pousser, hein, on va plus se leurrer. Vraiment, vraiment très très chiant ce passage là. Ok. Et là on va putain, okay. On va pouvoir taper un petit jump. Peut demander ton aide. Bien sûr. Allez, okay. Vas-y, Nathan. Voilà, nous on tient, toi tu dois sauter. Vous allez pas me faire tomber. Oh les bâtards. Mais non. Toi tu fermes ta gueule non? Non mais attends, quand on trahit son frère pendant 20 ans, on ferme sa gueule. Il est où Sam? Il met une petite balle dans la tête là. Et il a mérité. Sam. Eh franchement on l'a touché. Hein. S'il recevait les balles, on l'aurait touché. C'est ok. Bon, on est prêt. Toi, tu le calmes, hein, par contre. Alors, toi, je t'aime bien, donc tu le calmes pas, c'est bon. Par contre, Sam, voilà. Sam, serait bien que tout le monde passe, sauf lui. Et qu'il tombe comme une merde. Ça ferait plaisir. C'est bon, le gars, vous êtes au bout? Ouais. Il saute. Bah voilà, Sam, vas-y, tombe. Tombe, Sam. Ok, vas-y. On saute là, on va les rejoindre. On monte ça, comme ça. Bah, bien sûr, ce que je fais. Ok, chope ça. Retourne-toi. On se balance là. Attends, tu grimpes et je t'attrape. Je vais te sauter dessus là. Oh, ah oui, c'était chaud là. Ok, bon, on est sur un. Maintenant, on pousse Sam dans le vide. Non, mais c'était une blague, Sam ne meurt pas quand même, c'est un peu con là. Allez, on n'a pas toute la journée. Mais c'est pas en coup total là. Ok, vas-y. Tiens. Oh. Ah, on a eu chaud quand même. Sam, salon foiré. Sam, viens. Mais ferme ta gueule toi, t'as cru que j'ai fait exprès là? Ok. Vas-y, saute, je te rattrape. Allez. Non, arrête, n'y pense même pas, Sam. Tu m'entends? Désolé de vous avoir entraîné là-dedans. Tous les trois. Écoute, tout ça n'a plus d'importance maintenant. Alors saute. Je peux pas abandonner si près du but. Sam. Hey, je te préviens, Sam, si tu fais ça, je viendrai pas te chercher. T'as compris? Je suis désolé. Sam. Oh, t'es-tu stupide? Il t'a pris au mot. Il court tout droit dans la gueule du loup. Allez. Ça, c'est bon pour une fois. On soutient le Sam. On va aller chercher ce putain de trésor, mon gars. Mais bien sûr qu'elle a raison. Bien sûr que Sam a raison. Bon, Sam, t'es un enfoiré. Mais là, pour le coup, voilà. Je te remercie quand même de nous faire bouger le cul et chercher ce trésor. Parce que cet avion, le plan de l'avion, c'était nul. Hein. Non, on se concentre d'abord sur la partie thune et trésor. Après tout ce qu'on vient de. Quand même. Mais justement, après tout ce qu'on vient de faire, on va aller chercher ce putain de trésor. C'est pas possible. Le sortir de là. Pas trop. Merde. Désolé. Voilà, c'est une habitude. Ah, ça on peut pousser ça. Tiens, on peut céder de ça pour passer. Passer où? Ah, on va escalader le mur là-bas, très très bien. Voilà. Vous êtes prêts? C'est bon. Ok. C'est bon. Bah tu vois. Oh. Allez, pas que ça va tenir. Nate, vas-y. Non, c'est bon. Vas-y. Oh merde. Et maintenant, comment on va faire pour grimper là-haut? On n'aura jamais le temps. Mais
Nate ? Non, il va pas tout seul. Écoute, je reviens tout de suite, ok ? Parce que tu crois qu'il va te suivre sans se battre ? Eh ben on se battra si c'est ce qu'il faut. Mais quoi qu'il en soit, je le ramène avec moi. Toi, fais en sorte de rapprocher l'avion au plus près de la montagne. Et sois prêt à décoller rapidement. Tu crois qu'on peut décoller lentement ? C'est pas juste ! Quoi ? C'est ton tour de faire la vaisselle. Ne me fais surtout pas le coup de pas revenir à la maison. Je t'aime. Je t'aime aussi, Cowboy. Sur cette belle déclaration d'amour, c'était vraiment un moment exceptionnel en émotion. Voilà, bon, la fin était plutôt stylée, et là, on va aller chercher ce putain de trésor, c'est bon ça, on se trouve dès demain pour voir. Voilà, la gueule de ce trésor, on pense que là, on se rapproche du but grandement. Voilà, à très très bientôt, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, bye!